Bonsoir messieurs, dames. Alors, dans la suite du cours 355 d'hier, je vais vous faire le 356 sur la personnalité du personnage théâtral. La personnalité, quelque chose de très intéressant, parce que hier on était dans l'interprétation du rôle et je suis arrivé à vous faire comprendre que l'interprétation du rôle dépendait surtout du caractère de l'acteur et de sa personnalité donc. Alors on va étudier ce caractère, cette personnalité, qu'est-ce qu'elle met en jeu dans l'interprétation du rôle théâtral. C'est une chose dont on parle très peu, très très peu, c'est très rare qu'on entende expliquer quelle est la valeur de la personnalité d'un acteur. Donc c'est ce qu'on va voir ce soir avec vous. Alors, la personnalité, il y a des... Bon, de tout temps, elle a été étudiée par les maîtres, par les savants. Depuis des millénaires, on étudie ça pour comprendre comment l'homme fonctionne en quelque sorte, quels sont ses traits de caractère, comment faut-il qu'il agisse sur la Terre en rapport de ses traits de caractère. Et il y avait un savant qui s'appelait Gurdjieff, au siècle précédent, il y a peut-être 150 ans, je pense, ou peut-être 200 ans, je ne sais pas exactement. C'était un gars de l'Asie mineure qui a catalogué les personnalités de l'être humain en 9 catégories. Les principales personnalités de la personnalité de l'être humain, 9 catégories. Et il a constaté que l'être humain avait principalement 3 traits de caractère de ces 9 personnalités. C'était un mixte entre de ces 9 personnalités à plus ou moins grande proportion. Et il a appelé ça, il a créé un diagramme avec les 9 personnalités et il a établi les correspondances entre toutes les personnalités et leur opposé et leur contraire. Ce qui est intéressant dans ce diagramme, c'est déjà de constater que nous pouvons avoir des personnalités diamétralement opposées à la nôtre et qui sont saines tout de même, des personnalités tout à fait normales. Et alors là, ça ouvre le champ des possibles parce que on se rend compte finalement que c'est en mieux comprenant les personnalités, les diverses personnalités, qu'on va arriver à créer une relation fructueuse avec toutes les personnalités qui puissent exister dans le monde. Et pour créer cette relation, en fait, parce qu'il y a un hic quand même, il y a un problème quelque part. Si vous voulez, une personnalité, un être humain qui a une certaine personnalité, bon, alors, il y a l'altruisme, il y a la personnalité sportive, il y a la personnalité artistique, il y a la personnalité intellectuelle, il y a la personnalité
Enfin, je ne les ai pas toutes de tête. Vous regarderez l'énéagramme sur YouTube et vous apprendrez toutes les personnalités qui existent. Je disais que l'acteur qui a déjà par lui-même trois traits de caractéristique importants parmi ses 9 traits de caractère va interagir avec d'autres personnalités qui ont d'autres traits de caractère probablement différentes de la sienne. Quelle est la problématique, si vous voulez, de cette relation interpersonnelle? C'est là où il va falloir comprendre quelque chose, c'est que toutes les personnalités sont saines, comme je disais déjà, sont saines, mais c'est-à-dire que vous pouvez être, peu importe votre personnalité, vous aurez autant de valeur qu'une autre personnalité. La relation de personnalité à personnalité va s'effectuer sur deux critères importants. Le critère de compréhension de votre interlocuteur, il va falloir comprendre dans quelle logique cette personne agit, et aussi sur alors là, c'est beaucoup plus dur à essayer d'intégrer, si vous voulez, à essayer de comprendre. C'est là où, justement, la plupart des personnes qui étudient l'énéagramme et les personnalités n'assimilent pas, si vous voulez. C'est trop dur à expliquer parce que suivant les mots qu'on emploie, on va tomber dans des pièges. Je vais vous prendre un exemple, vous allez mieux comprendre. Par exemple, la personnalité d'un altruiste. Un altruiste, c'est quelqu'un qui aime aider les gens, qui aime faire des films vidéo, qui aime diffuser sa connaissance, qui aime un peu filou-dingo, n'est-ce pas? Ça serait un peu filou-dingo, un altruiste qui aime les gens, qui aime diffuser, qui aime partager, qui aime donner aux autres. Il va se poser un problème dans la personnalité, peu importe votre personnalité d'ailleurs, que vous soyez par exemple un artiste, c'est pareil. Vous êtes un artiste, vous aimez paraître, vous aimez, peu importe votre personnalité, il va se poser une problématique fondamentale qui va vous être soumise. C'est un peu, comment on pourrait dire ça, en fait, tout se rapporte à l'ego du comédien. Je m'entends. L'ego du comédien va exploiter sa personnalité dans un sens égoïste. C'est son ego qui va, par exemple, Philou Dingo qui se connaît altruiste, va exploiter son altruisme dans un sens égocentrique, dans un sens égoïste. C'est-à-dire qu'il va, l'ego, c'est une chose que tout le monde possède, mais il va falloir s'acclimater à l'ego de façon à ne pas lui laisser la part la plus importante dans notre personnalité. Parce que ce qui se passe pour un altruiste c'est un peu bizarre de dire ça, un altruiste égoïste, c'est contre-productif en général. C'est pour ça qu'on a de la difficulté à comprendre cette notion d'ego. Parce que quand on est égocentrique, on agit en attendant un retour de quelque chose. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de Philou Dingo, donc il fait une vidéo
et il attend un retour de quelque chose de cette vidéo. C'est ce retour attendu qui est l'ego, l'ego du personnage. Et l'ego est un problème, est une grave problématique pour l'être humain, parce que tout ce qu'il va le faire en tant que donnant-donnant, dans un certain sens. C'est-à-dire que je vous paye pour que vous me pour que vous me donniez un service, ou je fais cette vidéo dans l'espoir que cette vidéo va me rapporter quelque chose. Si vous voulez, tout travail mérite salaire. On a toujours l'impression que lorsqu'on donne quelque chose, lorsqu'on fait quelque chose, on mérite un retour. C'est vrai en soi, on mérite un retour. Mais l'ego va s'emparer de ce mérite pour réclamer intérieurement ce retour. Et il va se passer une problématique grave, c'est que lorsque l'on fait quelque chose et qu'on n'a pas de retour, on va souffrir de cet ego qui réclame le retour de quelque chose. Par exemple, vous invitez une femme au restaurant, vous lui offrez une voiture, vous attendez un retour. Ça, c'est l'ego qui parle en vous. Vous allez offrir un collier de perles à une femme, vous allez lui offrir, peu importe, un voyage merveilleux, vous attendez un retour. C'est l'ego qui parle. Tout ce que vous faites, l'être humain, enfin, dans notre société moderne, disons, capitalistique, enfin, nos règles de vie, c'est je fournis, mais je suis payé en retour, ou je donne et je reçois. C'est un peu les échanges. Et c'est là où, justement, l'ego rentre en jeu. C'est que l'ego va réclamer ce retour. Et que si vous n'avez pas ce retour, vous allez vous sentir frustré, perdant. Vous avez déboursé tant d'argent pour faire quelque chose. Vous avez, par exemple, vous avez déboursé un voyage de 6 000 euros, mettons. Et puis, vous n'avez pas de retour de la personne. Vous allez vous sentir mal. C'est votre ego qui parle. Et cet ego, dans l'étude des savants qui ont fait ces recherches, ont compris qu'il était malsain. Il y a quelqu'un qui se promène. Il a entendu parler. Il s'est inquiété. Il a crié. Parce que là où il y a un chemin. Bon, je vais arrêter 2 minutes. Alors je reprends la vidéo. L'ego de l'acteur, l'ego du personnage, c'est quelque chose de très dangereux. Parce que ça va vous mettre en compétition avec ce que vous faites. Vous allez toujours être demandeur d'un retour sur tous les actes que vous faites par rapport à votre propre caractère. Et comme vous n'allez pas recevoir le retour escompté, vous allez être très malheureux. Donc il va falloir gérer cet ego de façon à l'éloigner de votre personnalité, de façon à ne pas être tributaire d'un hypothétique retour
un rapport de ce que vous faites dans la vie et de vous détacher en quelque sorte d'une servitude. Si vous parvenez à vous détacher de l'ego, vous avez réussi quelque chose de fantastique, parce qu'ensuite vous allez pouvoir vivre votre vie sans aucune appréhension, sans aucun remords, sans aucun regret. On entend souvent certaines personnes qui se plaignent. J'ai tant donné dans ma vie, on ne m'a pas rendu ce que je méritais, etc. Ça, c'est l'ego. L'ego qui vous a. Voilà. Et quand vous arrivez à vous départir de l'ego, à ne plus agir en rapport de ce que l'on va vous donner, mais en rapport de ce que vous recevez immédiatement dans l'acte que vous faites. Par exemple, Philou Dingo, lui, il profite directement des vidéos qu'il fait en ce moment avec vous. Parce qu'en même temps, il s'enrichit du travail qu'il fournit devant la caméra. C'est un enrichissement fantastique, vous ne pouvez pas imaginer comme il a évolué quand, par exemple, les premières vidéos que je faisais, j'avais certains défauts que j'ai réussi à gommer et encore je vais essayer encore d'améliorer mon personnage de façon à ce que ce personnage soit bénéficiaire, comment on dit ça, enfin qu'il soit gagnant par lui-même. C'est l'image du personnage qui renvoie à l'auteur un bénéfice propre, d'où l'importance de soigner ce personnage de Philou Dingo, de lui donner toutes les qualités d'un homme supérieur, on va dire, d'un homme évolué, de façon à ce que son auteur, son interprète, puisse profiter du personnage, parce que le personnage va influencer l'auteur dans sa vie de tous les jours. Et c'est ce profit gagnant que Philou Dingo est en train de faire devant vous. Il est en train de s'enrichir, enrichir son auteur, pas ricocher en quelque sorte. Il n'attend pas d'un extérieur un retour, par contre. L'extérieur est libre de faire ce qu'il veut. L'extérieur n'est pas... Philou Dingo n'a aucune emprise sur l'extérieur, n'est pas là pour gérer ou manipuler l'extérieur. Il est là juste pour s'exprimer en tant que personne et exprimer ce qui le rend lui-même heureux de vivre. Vous voyez, c'est une espèce de cours pour être heureux en quelque sorte, pour atteindre le bonheur par l'interprétation du personnage. Parce que tout le monde interprète un personnage dans la vie, tout le monde est quelqu'un, et c'est de profiter de ce quelqu'un pour soi-même, en quelque sorte. Voilà. C'était ce que je voulais dire par rapport au caractère du personnage, puisque le personnage, il a un caractère, et que peu importe son caractère, le principal, c'est de gérer son ego, l'ego du personnage. Parce que c'est l'ego qui va vous pousser à être malheureux, finalement. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que c'était intéressant. Je vous dis à bientôt. Il fait nuit, hein. Puis il y a quelqu'un qui se promenait, mais il est parti, je pense. Parce que ça serait absurde. Il fait trop noir, on ne peut pas descendre, là. C'est des buissons de partout. Merci, au revoir.